Eh bien salut les amis, c'est Kiarendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Kirby au fil de la grande aventure. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai pas mon bandana aujourd'hui, merci à vous en tout cas dans les commentaires de me dire que le bandana me va très bien. Je le mets souvent mais en fait là je le mets pas parce que en fait quand j'ai fait ma décoloration et ben ça m'a brûlé un peu les oreilles et comme les bandanas en Thaïlande ils sont même pas en coton, ils sont en espèce de polyester, ça me fait des trucs allergiques et en fait ça me fait trop mal aux oreilles. Mais oui, oui d'ailleurs hein, pour les quelques-uns qui ne sont pas rendus compte ou qui ne veulent pas le croire, je me suis teint les cheveux, hein. Enfin, je veux dire, ça se voit, non? Mes cheveux, ils n'ont pas une couleur naturelle, hein. J'ai fait une décoloration et je les ai teints en bleu, voilà. Bon, bah, peut-être que certains d'entre vous l'ont pas remarqué parce qu'ils sont daltoniens, hein, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, alors je vous en veux pas. Mais si vous n'êtes pas daltonien, vous n'avez pas d'excuses. Non, mais c'est vrai que, malheureusement, c'est un peu trop clair, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus... Enfin, c'est un peu trop foncé, j'aurais voulu que ce soit un peu plus clair, mais apparemment, ça va délaver après... Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, les amis, on va y aller, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et je pense que plein d'entre vous seront contents. Parce que, aujourd'hui... Meta Knight, ça veut rien dire comme phrase, parce qu'aujourd'hui Meta Knight, ça ne veut rien dire, Kirbendo. J'ai oublié comment parler français. Non, je vais scanner Meta Knight. Tout simplement parce que on l'a pas encore fait. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, vas-y Meta Knight. Kirby Meta Knight. D'accord, très bien. Et donc... Donc c'est juste Kirby qui donne des coups d'épée, quoi. Mais sauf qu'il peut faire des enchaînements, en fait. Mais c'est tout. Eh, mais attendez. Mais ça peut prolonger mes sauts, c'est trop bien, ça. Eh, mais c'est ouf. Attendez, je peux le refaire? Ah non, je peux le faire qu'une seule fois. Mais c'est ouf, ça prolonge les sauts. C'est génial. Ça va être trop bien, cette transformation Meta Knight. Faudrait que je fasse la transformation roi d'Adidou, et malheureusement, je pourrai jamais vous montrer la transformation Waddle Dee, parce que je crois qu'elle existe, hein, parce que j'ai pas l'amiibo Waddle Dee. Parce que c'est avec les amiibos qu'on a ces trucs-là, hein, au cas où certains d'entre vous le demandent dans les commentaires. Comment je fais, là? Comment je fais? Comme ça? Ça devait certainement pas être comme ça. Ah, faut certainement prendre la voiture, attendez. Déjà lui, salut. Ok, très bien. J'ai failli en plus faire partir le truc. What? Mais comment je fais? Mais attendez, mais c'était pas vraiment comme ça qu'il fallait faire, c'est trop bizarre comme saut. C'était comme ça. D'accord, et la voiture, on peut pas la décaler? Attendez, il y a un souci là. On doit bien pouvoir la piloter la voiture d'une manière ou d'une autre. C'est bizarre. Salut! Ça c'est extrêmement pratique, genre c'est totalement pété. Non, il est vraiment pété Meta Knight, c'est ouf. Enfin, Kirby Meta Knight plutôt. J'ai failli me faire écraser. Ça par contre c'est pas pété du tout, c'est pas drôle du tout. Ok... Il y a des trucs en hauteur, je sais pas comment on y va. Mais en tous les cas je récupère tous les trucs là, j'ai envie de gagner plein de points. Ah ah non. Non 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 non. Ça je vais pas le récupérer. Non non non, je vais rester en Meta Knight, c'est très bien. Mais attendez, mais il y a des trucs en haut, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait des trucs en haut, comment je fais pour les ramasser? Il est bizarre ce niveau. Ah non, 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 Meta Knight. Attendez, mais... Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était plus Meta Knight et ça allait devenir juste un truc d'épée normal. Eh, mais attendez, mais non. Mais en fait, j'ai compris. Mais non, mais j'aurais pas dû les tuer. Mais oui, parce qu'en fait, il faut monter là-dessus. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord, et c'est comme ça qu'on peut monter, etc. Hein, bon, heureusement qu'ils réapparaissent les ennemis, en fait. Depuis le début du jeu, je disais que c'était un assez mauvais point. Finalement, là, c'est plutôt un bon point. Bon, faut partir, parce que celui du bleu, là, il est pas réapparu. Là, par contre, il y a un souci, les voitures, je sais pas trop comment ça marche. Voilà, salut. Lui, il aura même pas survécu. Ah, j'ai le hockey. Ah, voilà. Allez, on repart à gauche. Ah mince, non, dommage. Attendez, parce qu'il faut aller là-haut. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et... ouais, c'est bon. Ah bah pas mal, pas mal. On est presque en bronze. Toi, viens. Il fait plus long feu, là, quand on est Meta Knight. Il faillit perdre son casque. Et yes. Ah, c'est bien. Bon.
Alors on peut plus vraiment saisir les trucs en fait. Mais on peut les trancher quand même, donc voilà, si tu ne peux plus rien saisir dans la vie, tranche-les, ça marche aussi. Salut! Bah dis donc, il aura pas fait long feu non plus lui. Ha 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 ha! Lui il va me gêner. Ok. Eh mais on peut les pousser, regardez, je l'ai poussé le canard, comment j'ai fait mon coup? Ah, comme ça? C'est bizarre! C'est très bizarre! J'ai pas l'impression que c'était comme ça que ça marchait dans le jeu de base. Mais bon, peut-être, hein, j'ai peut-être oublié. Hein. Ouais, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, donc effectivement, il y a des trucs comme ça qui s'oublient. Il hein. Y a un passage là. C'est juste pour faire ça? D'accord. Très bien. Et on est déjà en bronze, c'est cool. Ah, 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 là, il y a... Ouais, mais il y a un truc en haut, attendez. On va d'abord aller en haut. Allez, viens ici. C'est bon. On monte. Eh, mais il y a aussi un truc en bas. Je sais pas quel est le secret, en fait. Là, je suis un peu confus, je suis un peu perdu. Ok. Et je suis sûr que si tu te fais écraser, tu perds des points de vie. Hein. Aïe, effectivement. Effectivement, tu perds des points de vie, tu perds ta transformation, d'accord. Au revoir, Meta Knight. Ah ouais, non, mais attendez, mais... Ah, d'accord, je pensais pas que ça marchait comme ça, en fait. Ouf. Très bien. Je sais pas comment je vais faire, là. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je vais m'en aller. Ça marchera peut-être mieux. Non, il va m'électrocuter. Non, c'est bon, il m'électrocute. Ah, si, il a essayé de m'électrocuter. Je sais pas. Je sais pas comment on fait, c'est bizarre. Parce qu'on peut pas passer en bas. Parce que là, on est... Ah, ben non, on n'est pas bloqué. D'accord, ok. Très bien. C'est bizarre, j'ai un peu de mal à saisir le niveau, là, mais pourquoi pas. Allez, toi, vas-y. Tu vas où? En haut, en bas? Tout en haut. Ah, ici, non? Ah, salut. Ah, bah mince, c'était par derrière. J'avais oublié. Ça va être sur la poupée, c'est sûr. Enfin, sur la poupée, sur la figurine, plutôt. Voilà. Oh, robot! Et regardez, sur leur nez. J'avais pas remarqué la première fois. Oh, non! Oh, non, sérieusement. À partir du moment où tu perds ta transformation et que tu peux plus tuer les ennemis, le jeu devient quand même super difficile. C'est assez ouf. Genre, c'est incroyable la différence de difficulté qu'il y a entre les deux. Bon, bah, je vais même pas essayer de récupérer les trucs. Là, je vais avancer. J'ai perdu trop de mâches. ce serait bien de les ramasser, non? Je vais me faire écraser. Je vais me faire écraser. Ok, on monte. Et là-bas? Là-bas, il y a... Ah, très bien, une transformation. Ça me va. Oui! Viens, toi. Oh, oh! C'est bon? Ok. Allez, il est mort. Bon, dommage, mais Tanet n'aura pas fait long feu. Ouh! Il y avait des trucs en bas, hein, j'ai vu. Hein. Comment on y va? Pas comme ça, je pense. Comment on fait? Là, on peut y aller, non? Voilà, par... Ok, d'accord. Très bien. Et en bas, il n'y a pas d'autres trucs, non? Je ne sais pas. Très bien. On dirait des aimants, ces mains. C'est peut-être d'ailleurs, effectivement, des aimants, mais... Alors ça, je sais pas trop comment ça marche, en fait. Je sais pas trop comment tu le fais avancer dans un... What? Mais attendez, mais ça marche pas. En fait, c'est parce que je peux pas le saisir. Ça a pas été très bien fait, hein. En fait, il y a pas mal de moments comme ça où, comme le jeu, il a pas été fait pour avoir les transformations. J'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que les transformations, elles cassent un peu tout. Après, c'est peut-être juste moi qui ai pas compris, hein. C'est tout à fait possible aussi, mais bon. Là, les transformations, elles m'aident. Il faut le dire. Salut. Oh, Pompon! Oui, merci pour les vies. Ça me fait plaisir. Il me reste qu'un seul trésor à avoir. On sait pas trop où il va être. What? Il avance, ce robot? Il avance. Ah, mais il y a plusieurs robots, d'accord. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Ok. Il est où? Ok, très bien. Ouf, j'ai cru me faire toucher. Il y a un truc en bas, non? Attendez, en bas, il n'y a pas un truc? Ouais, y a... Ah oui, bon, il y a des perles, c'est bon, je les ai eues. Elle est vaste cette zone, j'ai peur de louper des trucs en fait.
C'est ça qui me fait peur. Bon, de toute façon, je m'intéresse à pas grand chose, faut juste que je trouve les trésors. Enfin, LE trésor, parce qu'il en manque plus qu'un. Enfin, deux en fait. Parce qu'il manque aussi le truc de fin là, voilà ce truc là. Je sais pas comment je vais l'avoir. Ok. Alors la bombe, je veux bien la rattraper, mais bon, vu le pouvoir que j'ai maintenant, je pense que c'est quand même mieux que la bombe, non? Selon moi, c'est mieux que la bombe. Non, c'est... Ah bah d'accord, ok, on l'a perdu, très bien. Mais je pense que c'est mieux que la bombe. Vas-y, explose, très bien. Ah bah, je l'ai eu, ok, sans vraiment le vouloir. Mais bon, c'est comme ça que c'est mieux. Non mais, le truc qui attire les perles, c'est bien mieux, hein. Ok. Ouais mais attendez, mais je fais comment là? D'accord. Très bien. Bah on va attendre de le tuer mais... What? Il est plus là? Ah si. Allez, arrête-toi, arrête-toi, stop-toi. Viens là. Oui, parfait. Et salut! Enfin j'aurais pu lui balancer une bombe. Ça aurait été effectivement plus rapide. Il y a des trucs cachés. Je sais pas s'il y a des trucs cachés dans ces machins là, non? Non, c'est juste de la déco. Très bien. Oh, le pauvre, il est tout triste. Oh! Ça, c'est pas sympa, hein. Et être triste n'est pas une excuse. Salut. Ah bah, ils m'ont même pas donné de points, merci. Mais je fais comment, là? Il y a des trucs en haut, c'est obligé. Explose! Oui, oui, parfait. Mais attendez, mais il y a un truc, là. Ah, faut peut-être descendre. Faut peut-être d'abord descendre. Voyons voir. Je suis perdu! Et maintenant je dois monter vite? Ah non, c'est un téléporteur ça. Pourquoi tu pleures, petit ourson? Il faut pas. Ah non, c'est pas un téléporteur, d'accord. Oh, bien! L'or, ça me paraît quand même sacrément compromis. Hein. Parce que là, on arrive bientôt à la fin du niveau. Enfin, quoique, le truc final, il peut tout renverser. Hein. Bon, j'ai même pas besoin de le tuer lui. Bon, je peux, mais il y a la transformation, donc. C'est quoi? Un petit train-train. Attendez, mais c'est... What? Mais attendez, mais normalement, c'était... Ah, c'était à la gyroscopie. Enfin, c'était au pointeur. Ah ouais. Ils auraient dû faire à l'écran tactile, non? Je suis mort, d'accord, ok. Ah ouais, mais on peut monter en ligne droite. C'est aussi une solution, pourquoi pas. Ça me paraît très bizarre, mais pourquoi pas. Ok. Alors là, il va faire un petit peu n'importe quoi. Ok, ça marche aussi. C'est quoi ça? C'est une zone bonus? C'est quoi ce truc là? Ah mince, ça permet d'aller plus rapidement. Ouais, mais je le savais pas moi. Mais attendez, mais on peut faire vraiment tout ça? Expliquez-moi où est la difficulté en fait, parce qu'en vrai, je peux m'amuser à dessiner n'importe quoi, n'importe comment, et c'est bon, ça marche. Bon, on perd du temps, mais à part perdre du temps, il y a un truc qui se place? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, d'accord, très bien. Alors, on va monter. Oui. Aïe, 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 non, 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 non. Wep. Oh, j'ai... Mais attendez, mais j'étais en train de tracer. Vas-y, on fait demi-tour, on va là-bas. Et bah, ça marche bien. Très bien. L'or est peut-être pas si impossible que ça. On n'est pas loin d'avoir l'or. C'est quoi ça? C'est un wagon. J'ai récupéré un wagon. Eh mais attendez, mais il y a plein de wagons. Il me semble que c'est beaucoup plus facile que sur Wii. Hein. Sur Wii, je crois que c'était vraiment pas facile ce truc-là. Parce que le... Mince, le pointeur était pas du tout fait pour... Donc, mais attendez, mais en fait, il suffit de tracer. D'accord, ok. Bon, bon. Ah mince! Ah, ça marche pas parce que je suis pas assez rapide, c'est ça? Ah, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on a eu tous les wagons, je pense. Et on a l'or. Très bien. Et je vais finir le niveau avec toutes mes vies? Ça n'arrive pas souvent. C'est suffisamment rare pour qu'on le note. Allez, oui! Yes! Ah, c'est toujours cool. Comme ça, je vais pouvoir aller à la boutique et faire plein d'emplettes. Non, non, stop. Oui, c'est bon, hein, ça allait passer de l'autre côté, là. J'ai l'impression qu'à cause de la couleur de mes cheveux, ma peau paraît encore plus blanche qu'avant. Ou un marteau. Un marteau. Mais on n'était pas censé aller dans le monde, d'ailleurs, des sucreries.
Parce que genre c'est pas tout à fait le monde des sucreries là quand même. Hein. Est-ce que je peux réutiliser Metanite? La pièce de tissu marteau, très bien. Super. La loterie. Ah, faudra qu'on place tous ces trucs là. Mais on le fera à la fin du jeu. On essaiera de faire une belle déco pour notre appartement. Vas-y, jette ça. Et ouais, si je peux reprendre Meta Knight, je le prends parce que c'est quand même mieux que la bombe. Hein. Mais peut-être qu'on peut le faire qu'une seule fois par jour, je sais pas. Hein. What? Ok. Champignonnière, mais en fait ça a absolument rien à voir avec un gâteau. Hein. Mais genre rien du tout, c'est de l'arnaque. Allez, vas-y. Eh ben oui, on peut redevenir Meta Knight. Non mais c'est cool ça. Surtout qu'elle est trop bien comme transformation, elle est vraiment forte. Allez, champignonnière mode diabolique. Quand je pense qu'on a loupé qu'un seul meuble depuis le début du jeu, c'est ouf. Hein. On a été vraiment pas mal fort les amis, c'est cool. What? Ok. Ah oui, ok, d'accord, les champignons, ce sont des tremplins. Oh non. Oh non, oh non, 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 ah bah, d'accord, ok, je peux le tuer, tout simplement. Lui, non. Mais ce serait bien de le tuer, ouais. En fait, c'est un escargot, mais alors il va absolument pas à la vitesse d'un escargot, hein. Il va beaucoup plus vite. Bon, bah, avec cette transformation, en fait, il va me poser aucun problème, le diablotin. Tant mieux. Ouh, c'est méchant. En fait, ça sert à rien de récupérer toutes les perles. Il y en a largement assez. Ah non, ça, j'en veux pas. Oh, je me le suis pris. Heureusement, ce qui est bien fait, c'est que si tu touches pas les ennemis au moment où ils t'attaquent, genre si tu les touches de dos ou des trucs comme ça, si c'est pas des ennemis qui ont des pics ou qui sont brûlants ou des trucs comme ça, et ben en fait, tu reçois pas de dégâts. Et ça, c'est cool, je trouve. D'accord. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Reviens. Mais reviens! Ok, parfait. C'est difficile de louper les trucs, cela dit. Hein. Mais non, mais en plus, il va me suivre! Ah, attaque rodéo. Non! Non! Sérieux? C'est ce que je vous disais, les ennemis qui meurent pas, c'est horrible. Non, 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 non! Bon, le jeu devient rapidement le bazar, quand même. Hein. Il faut le dire, hein. C'est pas du mensonge. Alors, voyons voir. Je peux aller plus haut si je fais ça? Oui, parfait. Pareil là-bas. Non, comme ça. Non, comme ça. Et ouh. Ouh. Oh, c'est trop mignon. Je repasse en bronze. Allez, le bronze, c'est combien? C'est 450? Non, c'est pas 450. Je sais pas combien c'est. What? Qu'est-ce qu'il m'a eu? Mais attends, mais... What? Ok, c'était la gelée de l'espèce de méduse, là, on dirait. D'accord, en fait, c'est les trucs qui nous envoient. Faut les éviter, hein. Parce que à partir du moment où t'es sur le sol, tu peux facilement te faire tuer, hein. Ouh! Non, 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 oui, j'ai eu peur de le louper. Ah, mais il y a un truc en bas, non, non, non. Ah, mais attendez, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on l'a. Non, 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 non. Haha, ça, c'était bien pratique. Un lit champi. Genre, on est dans le monde de Mario, c'est ça? Non. Non. Ok, c'est bon, ça marche mieux comme ça. Non, non. Il me fait trop peur. Mais il devrait vraiment y avoir un mode moyen dans le jeu. Où genre, tu peux faire les niveaux avec une barre de vie. Bah, je l'ai déjà expliqué, hein, mais t'as une barre de vie. Mais par contre, les ennemis te tuent pas, quoi. Enfin, si, si, mais y a pas les diablotins, quoi. Parce que les diablotins, il y a certains niveaux où j'avoue que waouh, hein, c'est... Il y a certains niveaux, surtout à partir du moment où tu perds ta transformation, où c'est plus drôle du tout. Ouf. Salut. Allez. Ok. Quand je pense que quand j'étais petit, je détestais ça, les champignons. Je veux dire, à manger, hein. Et maintenant, j'adore ça. C'est trop bon. Comment je fais, là?
Bah attendez, mais y a un moyen ou pas? Ok, bon, mais je sais pas quel était le moyen de base, mais on pouvait faire ça sinon. Salut. J'ai vu qu'il y avait un mec là. Il y a un mec, et il y a en plus de ça... Voilà, très bien. J'ai l'impression d'avoir aucune perle. Là, dans ce niveau, c'est pas que j'ai aucune perle, en fait, c'est que j'ai l'impression que l'objectif de perle de ce niveau, il est vraiment violent. Enfin, genre, il te demande beaucoup de perles, quoi. J'ai l'impression que... En fait, je pensais que l'objectif de perle était le même dans tous les niveaux, et ben en fait, non. Lampe champi, elle est mignonne. Salut. Alors ça, non, je ne veux pas la bombe. En fait, la transformation Meta Knight, enfin, c'est comme la transformation épée, en fait, et bah, ça fait partie des meilleures transformations que j'ai eues jusqu'à maintenant. Oh, d'accord, ok. Pourquoi pas. Y'a rien en haut, y'a rien. Ah, on peut leur marcher dessus. Ah, mince. Attaque Rodéo, oui. Ah, mince, mais il m'avait pas donné de perles. Pourtant, je l'ai retué, il m'en a pas donné non plus. Je sais pas, c'est bizarre. Là, lui, il m'en donne. Ok, je ramasse bien tout, hein, parce que, à mon avis, la fin du niveau, elle va plus faire attendre. Oh, oh, oh. Et les perles, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, non, 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 non. Salut. Non, 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 il y en a un là. Non, non, il va... Ouh, il a essayé de m'électrocuter. Ouh, et bim. Et il n'y a rien. D'accord, très bien. Oh, salut, prince Pompo, tu vas me donner de la vie? Moi, je veux bien que tu me donnes de la vie, hein. Eh oh! Ouais, merci! Pouf! Parce que je me suis fait avoir bêtement au début du niveau, j'étais un petit peu dégoûté. Hein. Eh! Salut! Parfait! Faut faire attention, là, il y a plein de trucs! Mais il y a forcément un trésor. Ah bah voilà, je me disais, il y a forcément un trésor dans le coin, le voilà! Mais attendez, mais il y a une musique différente par niveau? Ils ont vraiment fait ça? Parce que je suis en train de me rendre compte, genre ils ont jamais réutilisé les musiques dans des niveaux, c'est cool ça, c'est ouf, c'est rare hein, dans un jeu de plateforme. C'était le cas aussi dans Wario Land, bah justement Good Feel, en fait c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais Good Feel, les musiques, à chaque fois ils font un budget de dingue quoi. Parce que même dans Mario, enfin j'adore Mario, hein, je vais pas dire du mal de Mario quand même, mais Mario, enfin... Genre, elles sont très bien les musiques dans les New Super Mario Bros. Enfin, elles sont réexploitées, quoi. Enfin, je veux dire... bon, sans parler du fait que ce sont quand même des musiques qui sont juste des remixes de musiques d'autres New Super Mario Bros. Hein, quand même. Mais bon, sans ça... Enfin, même sans ça, c'est des musiques... Généralement, t'as une musique athlétique, t'as une musique des niveaux d'herbe, une musique des niveaux de plage, une musique des niveaux de donjon, enfin, etc., etc., etc. Et justement, là, je suis plutôt surpris parce que finalement, eh ben... Il y a l'air d'avoir une musique différente par niveau. Et c'est rare. C'est très rare. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que la musique, c'est généralement le truc dans lequel on met le moins de budget. Je me souviens, moi, quand je travaillais dans la création de jeux vidéo, la musique, c'était vraiment ce pour lequel on avait le moins de budget. Je me souviens, c'était ouf, quoi. Enfin, genre, on avait quasiment pas d'argent pour la musique. C'était fou. Genre, les jeux, on finissait, on avait trois musiques, quoi. C'était dingue. Parce que la musique, ça coûte très cher. En vrai, vous vous rendez peut-être pas compte, parce que je sais qu'en plus, il y a de plus en plus d'entre vous qui jouent maintenant sans les musiques dans les jeux vidéo, mais la musique, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Genre, même les graphismes, ça coûte pas aussi cher que la musique. C'est dingue, hein. Genre, vous vous dites peut-être que les jeux triple A, mince, dommage, que les jeux triple A avec des super graphismes, etc., c'est les graphismes qui ont coûté le plus cher, et bah pas du tout. Et c'est même pas le codage, souvent, qui coûte le plus cher, enfin, la programmation. C'est souvent la musique. Ça dépend, hein, il y a des jeux qui font vraiment pas beaucoup de taf du côté de la musique, mais les musiciens, ça coûte cher en droit d'auteur, ça coûte en beaucoup de choses. C'est pas du tout un reproche, hein, s'il y a des gens qui sont musiciens ici, c'est pas du tout un reproche, c'est juste que c'est le cas, c'est comme ça. Et donc... C'est pour ça que malheureusement, il y a certains jeux qui, la musique, bah, ils s'en moquent un peu, quoi. Mais là, pour le coup, Good Feel... Après, au Japon, c'est peut-être pas pareil. Au Japon, peut-être que les droits d'auteur, la musique, tout ça, c'est pas aussi protégé qu'en France. Kirby, j'ai envie de passer chez toi, tu m'y retrouves ? Ouais. Mais y a rien chez moi, c'est moche chez moi. Tu veux vraiment aller chez moi ? Bon, on va aller chez moi, mais c'est vraiment pas très beau chez moi, hein. Allez, ah, bah voilà, le gâteau, il arrive !
Ok. Ah, il va se faire petit à petit le gâteau, hein. Faut pas exagérer quand même, hein. Ok, allez, allez, allez. Bon, on repart donc au village feutré. Et on va aller, eh bien, dire bonjour aux mecs qui veulent aller chez nous, là. Et d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres appartements qui se remplissent. C'est bizarre. Mais il me retrouve chez moi ou chez lui? Je sais plus. Ah bah chez moi, d'accord. Salut! J'ai envie de jouer. Qui est partant pour qu'on passe un bon moment? J'adore cette pièce. Aucun doute, c'est Kirby qui habite ici, mais il n'y a rien. Il n'y a rien chez moi. C'est ouf. Bon bah il est content quand même. Salut. Oh, j'ai failli le tuer. Salut, on peut parler? Non, on peut pas. Et bim. Attendez. C'est quoi ça? Street Pass. Ah, on peut envoyer nos chambres via Street Pass. Bah si tu veux, je veux bien l'activer. Mais bon, je rencontre pas beaucoup de gens en Thaïlande avec Street Pass. Attendez. Et j'ai d'autres pièces alors, c'est ça, hein? Bon, la lumière qu'on peut éteindre ou allumer, hein, pour une ambiance un peu plus cosy. Et voilà, pour terminer cette vidéo, on va faire un petit peu de déco. J'avais dit que j'en ferais pas beaucoup, mais allez, c'est parti. Ça, j'en ai acheté, ouais. J'en ai acheté, mais j'ai l'impression que j'en ai pas... Ah, mais il y a d'autres pages. C'est pour ça que j'avais l'impression de pas en avoir beaucoup. Mais il y en a vraiment énormément, c'est ouf. Et le sol. Attendez, c'est quoi ça? Le sol, ok, très bien. Mais attendez, mais c'est dingue, c'est difficile de tout trouver, hein. Oh, pas mal. Pas mal. Après, faudra bien sûr que je fouille un peu plus, mais c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Ils nous disent pas d'infos. C'est genre là, mais il n'y a pas d'infos, quoi. Ok, très bien. Je vais le mettre là. Je sais pas trop ce que c'est, hein, si ça devait être sur le sol ou pas. Une fontaine. La fontaine, on peut la mettre là. Ça va être un petit peu le bazar, hein, mais comme chez moi, en vrai. Oh, un arc-en-ciel! Attendez, on peut pas mettre ça devant? Ouais, voilà, très bien. Il y avait des trucs que je voulais mettre. Ah, ça, c'est bien, mais... Mais pas tout à fait, en fait. Non, 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 je veux le ranger. Vas-y. Ok, on le range. Alors, par contre, il y avait des trucs que j'avais gagnés un peu spéciaux. J'aimerais bien les mettre. Genre, la machine... Attendez... Objet de catalogue, perle à repasser, je sais pas ce que c'est, objet unique. Ah ça je voulais. Ça je voulais les placer parce que normalement tu peux interagir avec. Ok. Il y a plein de trucs comme ça avec lesquels tu peux interagir. C'est quoi ça? Une mare? Genre je mets une mare chez moi. Ça je m'en débarrasse. Ok. Ah c'est ça. C'est ça que je voulais. Je vais peut-être le mettre à la place de ça, en fait. J'en veux pas de ça. Et ça. Ça, je veux bien. Mieux. Voilà. Bon, bah, on va voir comment on peut interagir avec tous ces objets. Alors, ça, normalement, on peut faire un truc. Ouh ! Ah, c'est tout ? On peut plus ? On peut plus, d'accord. Ça, on peut faire un truc. Oh ! C'est quoi mon avenir ? Mon avenir est bleu. Mon avenir est rouge. Mon avenir est bleu. Et votre avenir, il est comment? On va faire votre avenir, là. Il est vert. D'accord. Bah, prenez-le comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, j'ai gagné au début. Mais non, laissez-moi gagner. Eh. Oui. Mais je sais pas ce que je gagne, mais je gagne des trucs. Je gagne des perles en vrai, attendez. 856, non je gagne pas de perles. C'est juste pour dire, ouais t'as gagné, très bien. Et là on peut y aller ou pas? Très bien. Elle est belle ma maison, non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Pourquoi tu me dis pas ce que t'en penses de ma maison? Eh, je te tue si tu me dis rien. Eh, voilà, ton avenir il est rouge, rouge comme le sang. Bon bah voilà. Ok, j'espère qu'il a bien aimé ma maison, mais il en a pas dit grand chose, hein, c'est pas cool ça. Même dans Animal Crossing, il y a ce truc normalement. Bon, et quand est-ce qu'il y a d'autres gens là? Faut peut-être parler. Faut peut-être jouer au mini-jeu pour qu'il y en ait d'autres des gens. On verra ça plus tard de toute façon. Bref, et ben nous on va peut-être en rester là pour cette vidéo. Attendez, je vais aller chez lui d'abord. Voir ce qui se passe chez Cachel.
Cachelle, Cachelle, qu'est-ce que tu nous dis alors? Bon, ta maison elle est un petit peu vide aussi hein, quand même, hein, faut le dire. 0 sur 18, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas. Bref les amis, nous on veut... Ah, on peut lui parler. Salut? Trouve tout le monde. Ah, c'est un jeu de cache-cache. Oh, on fera ça plus tard. Allez les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Kirby au fil de la grande aventure. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut!